Vous savez, je suis enseignant à Tidjouin, mais je suis venu fêter ici à Cancan auprès des parents. Mais le constat est que depuis hier, à chaque fois que dès qu'on lance le sujet, et je me connecte. Et je constate que beaucoup d'élèves qui sont amis avec moi sur Facebook sont aussi tout connectés. Et donc cela me donne l'impression que les détecteurs qui ont été donnés aux délégués, aux surveillants, ne sont pas utilisés. Parfois même, je m'amuse à taquiner certains d'entre eux pour leur dire de m'envoyer le sujet. Ils m'envoient aussi tout. Ouais, il y en a même qui me demandent de l'aide, mais sans savoir ce que je pense de cela. Vous voyez? C'est pas sérieux. Même hier, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'informations, surtout sur le centre Framo Ibriki. Il y a des administrateurs de groupe qui viennent avec des réponses rédigées, des sujets traités dedans, et qui leur donnent aux surveillants pour substitution. Attendez, il Et donne hier, quoi? Il vient avec quoi? ils viennent avec des cahiers de réponses, c'est-à-dire les feuilles d'examen qui contiennent déjà des sujets traités, quoi. Oui. Ah, c'est ce qu'ils appellent de façon polie chambre noire. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc ils viennent avec ça et puis ils donnent ça aux gens et puis ils sautent le mur, ils s'en vont suite avec les feuilles que les enfants ont en classe. Vous voyez? Même hier, il y a l'une d'entre elles, c'est une de mes élèves aussi, et dont la copie de biologie n'a pas pu être substituée. Elle a même pleuré hier. Vous voyez, on ne sait pas. Et tout de suite, là, j'ai reçu un appel pour me dire que, ah, mon ami, et toi qui pensais que la chose là était vraiment sérieuse, que les jeunes allaient être essayés, que les délégués ont abandonné, hein. Et finalement, que les enfants ont réussi à rentrer avec les téléphones et puis la fraude se fait maintenant à ciel ouvert, vous voyez? Ça, c'est pas sérieux, ça. Donc, vraiment, les délégués ont été, hein, ils ont reçu de l'argent. Et bien avant la veille, j'ai reçu des appels me disant que, ah, des élèves qu'on leur a appelé, qu'on leur a demandé de payer 30 000, 30 000. Il dit, mais pourquoi? Que non, que c'est pour préparer le terrain aux délégués. Vous voyez ces choses? Ça, c'est Vous très voyez ça? grave. Tigri, j'ai appelé Dr. Manouin. Je l'ai appelé pour lui dire. Je lui ai tout dit. Ah, des proviseurs d'écoles privées, des DG, entretiennent la prose. C'est eux qui viennent avec des copies, ils les substituent. Moyennant quelque chose, des miettes données aux soudains. Vous voyez? Ça y est, ce qu'on a voulu éviter, c'est finalement produit. Hein. Il n'y a aucun sujet à Tigri. Moi-même, 6 mois. En tout cas, quand même, j'ai appelé Bano, je l'ai dit, j'ai appelé les délégués en question. Ah, Pas sérieux, pas sérieux. d'accord. Aucun sérieux, aucun sérieux à Tigri. C'est Je vous le dis, hein. à Tigri ou bien c'est à Tigri seulement, le cas n'est pas le même à Cancan. Non, le cas n'est pas le même à Cancan. Parce que hier, j'étais à presque 10 h, j'étais à Mariam-Gabi, il y a presque pas de problème, tout était calme. Je n'ai pas entendu que des enfants ont été appréhendés avec des téléphones. Bon, il pleut ici, hein. Je vais arrêter de pleuvoir. Voilà. Ah, parce que même ici, ça plaît. Merci beaucoup, monsieur, vraiment, pour toutes ces informations et Merci. on va garder le contact. Oh, merci beaucoup.